Maître Daim Kayam, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu une question il y a un moment quand même, hein, je m'excuse de la réponse tardive, mais je pense que vous savez déjà que j'ai pas mal d'occupations, mais voilà, à toutes les questions que vous m'avez posées, je vais y répondre, hein. Il n'y a pas de problème, donc voilà. J'ai reçu une question de Yuni, je crois, c'est Yuni. C'est une question qui est apparue en commentaire, oui, en commentaire sur ma vidéo Spiritualité rime-t-elle avec pauvreté? Alors, Yuni dit en commentaire, je suis peut-être superstitieuse, mais j'ai la sensation qu'il arrive des malheurs aux gens qui ont beaucoup d'argent, maladie, mort, accident, etc. Bon. Yuni, je pense qu'à part la superstition, vous avez pu observer ce genre d'effet chez certaines personnes, peut-être autour de vous ou dans vos relations amicales. Certaines personnes riches, hein, comme on le dit, qui ont ce genre de problème. Yuni, la richesse, le mot richesse est galvaudé aujourd'hui parce que les gens ne savent plus du tout ce que c'est que la richesse. Et comme je l'ai précisé, la vidéo sous laquelle vous avez fait un commentaire, Yuni, j'ai précisé que la richesse est un état d'esprit, un état d'être. C'est ce que vous êtes. D'accord? Ce n'est pas l'argent qui vous rend riche. C'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes riche. Votre état intrinsèque. C'est-à-dire que votre état intrinsèque, ça veut dire que sans vêtements, sans maison, sans voiture, assis dans la rue, ce que vous êtes, c'est richesse. Déjà, il faut comprendre que c'est ça, la richesse. Maintenant, oui, quelqu'un qui est riche d'argent, hein, et qui n'est pas riche, c'est-à-dire c'est pas lui qui est riche, mais c'est l'argent qui est en sa, qui est en sa possession, on va dire ça comme ça, qui le rend riche, c'est quelqu'un qui va attirer beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là ne sont pas dus à la richesse unie. Ces problèmes ne sont pas dus à l'argent. Ces problèmes sont dus à ce qu'il est, à sa personnalité, à sa vision des choses. Je parlais de... J'ai répondu à une question de Kane dernièrement et je parlais de la vision fataliste que les gens ont. Quand quelqu'un est convaincu que, de toutes les façons, la maladie est un état d'être, qu'on ne peut pas y échapper, et que dans sa famille, son père a été malade de cancer, sa mère a eu le cancer, quelque temps plus tard, son frère a eu le cancer, alors lui, il aura le cancer, il mourra de cancer. C'est ce qui va se produire. Pas parce que c'est héréditaire, pas parce que c'est génétique, parce que c'est ce qu'il veut. Il vous dira qu'il ne veut pas ça. Mais à force de répéter la même chose, cette chose se crée en forme d'égrégore au-dessus de votre propre réalité, s'inscrit dans votre vie de tous les jours. Oui, donc effectivement, oui, il y a pas mal de personnes dites riches qui ont des problèmes de maladie, de mort, d'accident, de tout ce qu'on veut. Mais si on prend par exemple dans certains endroits dans le monde où les gens reçoivent beaucoup d'argent, hein, contre quelque chose qu'ils ont fait. Je vous prends un exemple simple. Il y a des endroits où certaines personnes pensent qu'il faut avoir des relations homosexuelles pour avoir de l'argent. C'est ce qu'on leur demande de faire. Il y a certaines personnes qui pensent
qu'il faut faire de l'inceste, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec son propre enfant pour avoir de l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on leur demande de faire. Il y a d'autres personnes, vous voyez bien que dans tous ces cas-là, ces gens qui ont de l'argent n'ont pas de l'argent parce qu'ils ont travaillé pour, avec conscience. Non, 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 encore une fois, on est dans une notion de facilité, d'acquérir rapidement les choses. Tout ça pourquoi? Parce qu'on manque de personnalité, Yuni. Tout simplement parce qu'on veut prouver aux autres qu'on vaut quelque chose, parce que c'est ce que les gens pensent, ce que les autres pensent, qui ont plus d'importance pour nous que ce que nous-mêmes nous pensons, au point où on s'enferme là-dedans. Et comme on est dans une société où on a raconté aux gens que si t'es pas riche, alors, tu vaux pas grand-chose. Certaines personnes sont prêtes à vendre père, mère et à faire des choses totalement incompréhensibles pour avoir de l'argent. Le problème, c'est que quand soi-même, on est convaincu qu'on ne vaut pas cet état, hein, on montre à l'extérieur quelque chose avec de l'argent, mais à l'intérieur, on est convaincu qu'on ne le vaut pas. On sait, on est conscient de ce qu'on a sacrifié, de ce qu'on a détruit pour avoir ça. Mais oui, le résultat est simple, Uni. Oui, il y a maladie, mort, accident, mais bien sûr, il ne peut qu'être que ça comme résultat. Il peut pas un autre résultat. Voilà, il peut pas avoir un autre résultat. Je me souviens très bien. Je parle souvent de la baronne. Un jour, vous allez faire sa connaissance. C'est une femme d'une incroyable. Elle a énormément de connaissances. C'est d'ailleurs, on va dire, moi, je suis son maître dans le monde spirituel, mais elle, c'est mon maître dans cette réalité parce que. Voilà, je suis dans le 80-20, c'est très particulier, hein. Mais elle, bon, elle me permet de comprendre un peu plus cette réalité, en tout cas, ce qui semble avoir de l'importance pour les gens, parce que moi, personnellement, il y a des choses qui n'ont aucune espèce d'importance pour moi, carrément, voilà. Et je vis dans cette réalité-là, et c'est d'ailleurs pour ça que la réalité des autres ne m'impacte pas. Tant que ça, parce que je suis consciente que, en ce qui me concerne, ma réalité prime. Et puis, quand je souhaite, parce que c'est mon choix, quand je choisis que la réalité de quelqu'un d'autre m'impacte, eh ben, je fais ce qu'il faut pour ça. Mais si je ne le veux pas, ça ne m'impacte pas. Donc, la baronne passe son temps souvent à me dire que quelqu'un ne peut pas prendre un tas de maïs. Planter le maïs, c'est attendre comme ça que le jour où la récolte arrive, qu'il déterre des arachides. C'est pas possible. Il va déterrer ce qu'il a semé, tout simplement. Donc effectivement, oui, Yuni, c'est pas l'argent le problème. Ce n'est pas l'état de richesse le problème. C'est que la personne, l'être, qui a comment dire, qui a ses signes extérieurs, lui, intrinsèquement, est-ce qu'il pense vous valoir ça? Il n'y a que lui qui a la réponse et malheureusement, l'univers fonctionne simplement. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, profondément dans votre tête, les résultats s'expriment à l'extérieur, tout simplement. Et donc oui, maladie, mort, accident, oui, ce sont des personnes qui pensent ne pas valoir tout ce qu'ils essayent de montrer à l'extérieur. Et en fait, tout ça, ils utilisent tout ça, voiture, maison, pour certaines personnes même, mariage et tout le reste, pour justement se convaincre qu'au final, ils pensaient ne pas valoir grand-chose, mais finalement, parce qu'ils ont tout ça, en tout cas ce que les gens reconnaissent être les signes extérieurs de la richesse et de la réussite, alors ça veut dire qu'ils ont réussi. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, parce que oui, les problèmes que vous avez à gérer en interne, qui vous bousillent la vie, eux, n'arrêtent pas de se produire. Voilà, tout simplement. Donc,
Voilà, Uni, non, non. Les gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas destinés à avoir des problèmes. Par contre, les gens qui ont de l'argent et que cet argent-là leur sert à lancer de la poudre aux yeux par rapport à ceux qui les observent, et quand eux-mêmes ils sont convaincus qu'ils ne valent rien, oui. Il leur arrive plein de malheurs, c'est pas une superstition, c'est juste une loi de la nature. Donc, si ça vous arrive d'être en chemin pour devenir riche ou pour avoir beaucoup d'argent, surtout faites-le proprement, faites-le d'après vos propres règles, et quel que soit le chemin que vous allez employer pour ça, soyez vous-même en accord avec le chemin que vous allez prendre. Parce que si vous n'êtes pas en accord avec le chemin que vous allez utiliser pour avoir de l'argent, ça oui, ça va vous apporter des malheurs, des problèmes et plein d'autres soucis autour. Donc voilà, Yuni, je vous remercie de votre commentaire. Je vous remercie aussi d'avoir partagé cette vision-là avec moi. Et puis voilà, si vous avez des questions ou d'autres commentaires, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, et puis réussissez, hein, tout ce que vous entreprenez. C'était Maître Dame Kaya, maître en art de vie ancestraux et coach de vie.